Comment on va les coucher là-haut? Ils prennent de l'eau. Il n'y aura plus d'eau là-haut. C'est levé, j'ai vu les bois se lever. C'est bon? Non, je pense pas qu'il était bon, mais... Des sauts. Mais voilà. J'ai pas pu le voir, il y a une biche qui nous a vu. Des sauts, voilà. À la fin, j'ai bien vu partir dans votre direction là-bas. Il est descendu un peu dans les sapins. Et après, il y avait deux autres cerfs qui bramaient tout en bas. Ah ouais, donc on est allé voir. Donc toi, on a vu du monde. Enfin, mais non, mais, non, mais... Ou estimé qu'il y avait du monde. Non, mais il y en a du monde, c'est sûr. Ah, mais dans le trou, là, il y en a... Ah ouais, mais même moi de l'autre côté. Hein. Attends. Attends, on a terminé un truc, il y en a encore deux qui bramaient en dessous. Il a tout, hein, sauf la masse. Le corps, il paraît balèze. C'est pas un jeune cerf, mais... De toute façon, il y a 400 hectares, ça fait 520 mètres. On fait qu'on descend un peu. C'est pas pour que tu le dirais. Bah, je vois qu'il est... On va déjà descendre, peut-être. Un grand 12. 500 et quelques, faut qu'on descende un peu. Ouais. On jugera mieux, non? Ouais. Arrête pas de monter, Nico. Tu veux tirer ou pas? J'essaie de me caler. J'ai l'impression que c'est le 6 de tout à l'heure. Hein. Ouais, mais toi, on va plus rien voir. Quoi? On va plus rien voir. Ouais, mais je peux pas tirer ça. Mais mets-toi sur le caillou, là. Quoi? Avec mon sac. Je sais pas, j'ai une branche. Elle s'arrête pas.
capot. Oh putain. Il est capot. Wouh. Putain, je l'ai fait. Oh. Yes. Putain. Malade. Il a basculé. Il descend, il descend, il descend, il descend. Regarde où il va. Ah ben. Ah là, je le vois descendre. Ah ben, il roule. S'il s'arrête là, c'est parfait. Caracho. Caracho. Ah, attends, je vois pas, il a la tête en l'air. Ouais. Oh, 640 mètres, je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Mais si. Bravo. Il est beau. Hein. Il a l'air pas mal. Ah, il est bon. Ouais, non, mais il est monté et t'as vu comme il tire comme ça, tu peux prendre une cuite. Hein. Non. Super, bravo. Bravo, Nico. Moi, je l'ai tué, le marin. 670. Ouais. Ouais, bah si, entre 600 et 620. Ça me dit 620. Quand t'es comme ça, tu mets ce qu'il te dit parce que t'en sais rien. J'ai mis 6. T'as mis 6, t'as pas mis 620. Non, j'ai mis 6. Et vous êtes même pas allé le voir. Bah, on l'a vu. On peut pas. Ouais, vous êtes pas allé. Impossible. On l'a attendu un moment. Bon, il bouge pas. Donc, il est bon. Tout le monde le voit tellement. On va arriver là. Ouais, en dessous, il y a une corneille ou un grand corbeau. Vous avez des grands corbeaux. Là. On va passer à droite, là. Ouais. Et après, on traversera le bois de sapin, là. Ouais, on passe au-dessus de la falaise. Ça, c'est du sport, ça. Ouais. Ouais, on a encore un kilomètre. Ouais, au mieux. Oui. Au moins. À vol d'oiseau. Mais viens de profil là, porte-le. T'es le moins un peu de trois quarts. Ouais, superbe. Attends. T'as vu la longueur de la trochure? Ah bon. Attends. Tu fais 50, hein? Ouais, ouais. Il y a un andouillé pété. Oh, super. Mais elle est là-haut, comme avec Sarvi. Non, mais elle est derrière. Regarde, il y a juste une balle. T'as vu? Ouais. Ah, il est dans la panse. Non. Arrête, tu vas tout enlever les poils, tu vas être malade. Regarde. Là, c'est là que tu vois que c'est un bon wapiti. Ça dépend parce que tu montes, oui. Donc vaut mieux ne pas. Faut mieux à pied. Puis en plus, les. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que les chevaux, ça les fatigue aussi de descendre comme ça. Imagine. Sur le côté là, c'est la carabine. Je crois qu'il est mort. Non, il est arrivé. Ah non, c'est le biche.
tu m'as fait bouger. Je l'ai pas vu partir, donc il est mort. Il est tiré au pied de la falaise. Il est censé rester là. Je l'ai bien pris en bas pour ça. Ça sort en haut. Ah, y a quoi, y a... T'étais bien? Ouais. Y a rien là. Ouais, il y a 150 mètres. Putain, ça fait 3 jours qu'on est dessus. Hein. Ouais, ça paye enfin. Bravo. Ah. Super. T'es trop fort. Toi, t'es pas fort. Bon, merci Renaud. Super. Moi, je vois que 2 andouillés, mais je pense qu'il y en a plus. Ouais, je pense aussi. Quand je l'ai vu d'en haut, il y en avait pas mal. Il y a une belle trochure. Il est bon, hein. C'est un 14. Il y a une drôle de... Spécial, il est ouvert, il est plat, il est pas haut. Il a une enfourchure énorme. Ouais, mais beau. Ouais. Je suis content. L'autre était plus lourd. Là-bas? Ouais, mais c'est celui-là qu'on chassait. De toute façon, on allait foutre la merde avec celui-là. Hein? On allait bien foutre la merde. Ouais, c'est celui-là qui est là en bas. C'est le gros qui... Celui-là? Ouais, tu reconnaissais bien la voix. Ouais. L'autre, il a une petite voix fluette, mais il était bon aussi. Ouais. Les deux étaient attirés. Ouais. Mais elle est pile là où je voulais. Ouais, je l'ai croisé, j'ai pris d'en bas, j'ai dit ça va sortir en haut d'eau, à l'épaule, au sommet. Puis on a chassé l'animal qu'on voulait, à la voix. C'est le principal. T'as reconnu la voix dessus de... Ah bah, totalement. Avec mes écouteurs à la fin, tu vois. Mais il bramait pas très fort, hein. Non, il bramait un tout petit peu, puis très profond. Étonnant, hein, cette trochure. Enfin, cette enfourchure, plutôt, que c'est pas une trochure. Oh. Se battre, ça doit être joli à filmer. Je suis bien dessus en plus. Et... Ils sont pour les deux. Ouais, je les ai bien. Non, on se bat, on se bat. Ah oui, ils sont parallèles là. Ils font quoi? Ils sont parallèles. Ouais, c'est ça. Ouais. Et... Ah, joli. Mets-toi. Ouais. Troisième qui arrive. Mets-toi encore. Il y a le troisième qui arrive à gauche. Ouais. Ouais. Le gros qui arrive sur l'autre côté, il arrive, c'est grand sur eux. C'est trop gros, mais hein. 3 cercles comme ça. Ça, c'est le gros, je l'ai vu. Ouais. Elle a comme une porte. Ouais, c'est le plus gros. Elles sont boutonnées quand même. Ça y est. Ça c'est beau. Ça c'est beau.